Allez, salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver sur la chaîne Gorentier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet au niveau de ce qui est en train de se passer par rapport aux taux bancaires qui sont en train d'augmenter, toutes les spéculations qu'on peut entendre sur une crise potentielle du marché immobilier. On va essayer de décortiquer ça ensemble et je vais te donner mon avis sur ce qui est en train de se passer. Mais avant ça, bien sûr, jingle. Donc pour résumer un petit peu ce qui est en train de se passer, comme tu l'auras compris, aujourd'hui il y a le marché global qui est en train de, on va dire, prendre feu, voilà, au niveau de la bourse, au niveau de la crypto, on a tous les marchés qui chutent, on a les taux qui augmentent énormément et donc potentiellement dans les radars de tout le monde, une crise immobilière à venir. Maintenant, est-ce qu'une crise approche ou est-ce qu'on est déjà dedans depuis plusieurs années? Moi j'ai l'impression que finalement ça fait quand même plusieurs années que c'est un petit peu quand même la guerre entre guillemets en France, puisque on voit que les gens malheureusement ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. On voit avec l'inflation, c'est-à-dire que la valeur monétaire de l'euro est en train aujourd'hui de dégringoler complètement, ce qui veut dire que ce que tu faisais hier avec un euro, aujourd'hui tu vas avoir un pouvoir d'achat qui va être en tout cas entre 8 et 10% moins élevé, puisque ben, forcément la valeur du billet, la valeur de la pièce, la valeur de la monnaie est en chute libre. Maintenant, rappelle-toi que depuis que le monde est monde, dans une suite économique logique, le marché a toujours aujourd'hui fait ça, c'est-à-dire qu'il y a des pics de montée, puis après ça descend d'un coup et après ça se régule. Même sur le marché boursier, si tu regardes ça sur des années, tu vas voir en fait que même au niveau de la bourse, le fil boursier continue en fait toujours de monter. Il y a une croissance qui est exponentielle, qui ne s'arrêtera jamais, comme le prix de l'immobilier. Et en fait, à l'intérieur de cette croissance, tu vas voir des montées, des descentes, des montées, des descentes. Mais finalement, en fait, tu regarderas bien que dans ce graphique-là, tout continue d'augmenter. Ce qui veut dire que là, ce qu'il va falloir faire, en tout cas mes conseils, c'est essayer de sécuriser au maximum bien sûr ta situation. Ça veut dire comprendre que l'argent qui est sur ton compte en banque, si tu le laisses sur ton compte en banque, il ne travaille pas, il ne te rapporte pas d'argent et automatiquement, bah, tu te mets en danger. Pourquoi tu te mets en danger? Puisque si aujourd'hui la valeur de ton épargne diminue et que de l'autre côté, tu n'investis pas ton épargne pour pouvoir contrebalancer justement cette perte de valeur, bah, finalement, bah, tu vas te retrouver effectivement à perdre de l'argent. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut faire en tout cas, c'est trouver le moyen, d'accord, d'investir ton argent intelligemment pour pouvoir justement ben, contrebalancer cette perte et notamment avec les investissements immobiliers. Alors il y a des personnes qui disent oui mais Jérémy, il faut pas investir maintenant puisque ben, il va y avoir une crise, le prix de l'immobilier va chuter, etc. Moi aujourd'hui ce que j'entends c'est que ce sont des gens qui spéculent, même si il y a des experts dans tous les domaines, et d'ailleurs vous l'aurez vu notamment puisque c'est entre guillemets ce qui est un peu la hype en ce moment depuis un moment, on parle surtout de crypto-monnaie, et quand on va sur la crypto-monnaie, le nombre d'experts qui se sont trompés, à un moment donné, le marché est le marché. Ce n'est pas nous qui décidons le marché, bien au contraire, nous subissons le marché ou alors nous nous adaptons au marché, mais on ne crée pas le marché, d'accord? Aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est que dans tout ce qu'on a pu me dire, et d'ailleurs même quand j'ai commencé à investir en immobilier il y a plusieurs années, on m'a dit, Jérémy, tu sais, ça n'a rien d'investir dans l'immobilier. S'il fallait investir dans l'immobilier, c'était il y a 10 ans. Maintenant, les prix sont trop élevés. Si tu investis maintenant, tu ne gagneras pas d'argent, etc. Heureusement que je ne les ai pas écoutés. Heureusement que je ne les ai pas écoutés. Parce que finalement, si je les avais écoutés, toutes ces personnes-là qui attendent le bon moment, eux, ils sont peut-être certainement d'ailleurs encore en train d'attendre le bon moment. Et là, tu vas voir. D'ailleurs, il y en a plein qui disent, ça y est, là maintenant, ils se sont retrouvés experts du marché. Ils ont regardé 2-3 articles sur Internet. Et puis là, oh là là, là c'est bon, le marché de l'immobilier, il va chuter. Donc là, je vais investir là, dès que ça sera le bon moment. Tu vas voir, le moment, il va passer. Demain, le marché immobilier va pas remonter d'un coup, mais il va se réguler. Comme je t'expliquais, hein, il y a un pic vers le haut, un pic vers le bas, puis une régulation. Et une fois que ça va se réguler, ils vont dire, ah mince, ben ouais, mais finalement, j'ai raté l'opportunité. Donc ben, maintenant, je vais attendre un petit peu. C'est pas pour tout de suite. Moi, je pense que le marché, c'est un océan, d'accord? Un océan dans lequel il y a beaucoup de remous, il y a beaucoup de vagues. C'est pas parce que demain il y a une tempête qu'il faut arrêter d'avancer. Il faut juste en fait trouver le bon véhicule pour pouvoir traverser la tempête. Effectivement, tu n'iras pas dans une tempête en paddle, hein, c'est plus l'heure. Si la mer est calme, why not? Mais si aujourd'hui la mer est complètement agitée, il te faut un bon bateau, hein, qui n'a pas peur de se retourner, voilà, un bateau qui est costaud. Et ça aujourd'hui c'est un véhicule de sécurité. Ce véhicule de sécurité, ça commence déjà par ne pas compter sur une seule source de revenus, hein, parce que si demain tu perds ton job, tu perds ton emploi, tu perds ta source de revenus, ben finalement c'est toi, toute ta famille que tu mets dans une situation compliquée. Si tu n'as pas la possibilité, encore une fois, regarde, tu prends le livret A, je crois qu'ils l'ont monté à 2%, 2,5%, quelque chose comme ça dans certaines banques. Et tu regardes que le coût de l'inflation est à 8%. Donc, c'est-à-dire que même en plaçant ton argent à la banque, ils te donnent 2%, ils t'en perdent 8. 8 moins 2, ça fait 6. Hein. Donc, ça veut dire que même ton argent placé avec un livret A à 2%, bah, tu perds 6% quand même tous les mois.
Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est que quoi qu'il advienne, investir dans l'immobilier, c'est investir dans les trois besoins primaires. Se loger, se nourrir, se vêtir. C'est les seules choses réellement qu'on a besoin. Tout le monde aura besoin d'avoir des habits sur soi, hein, à moins qu'ils aillent à Euronat, à Montalivet. On aura toujours besoin de manger, normal, parce que sinon tu meurs en fait. Hein. Et alors, tu auras aussi également besoin d'un toit sur ta tête. Je pense on ne va pas créer une nouvelle Terre. On parle de partir vivre sur Mars. Bon, c'est pas fait pour l'instant. En tout cas, la Terre ne va pas s'agrandir, d'accord? Le nombre d'habitants sur Terre ne fait que augmenter. Donc plus il y aura d'habitants sur cette Terre, plus la possibilité de se loger va réduire. Donc plus le prix de l'immobilier va augmenter, puisque il va y avoir une rareté du terrain, une rareté des biens, et puis ça va être de plus en plus compliqué, et automatiquement une manière exponentielle de faire augmenter les tarifs. Ceux qui nous disent qu'on va tout réguler parce que voilà, aujourd'hui il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours, tant qu'il y aura de l'argent, il y aura des gens pour le manipuler et des gens pour s'engraisser. Moi je pense que au lieu d'attendre que l'État ou la banque centrale décide de faire quelque chose pour toi, essaye toi-même déjà de faire quelque chose pour toi et apprends à surfer sur les vagues. Apprends juste à comprendre que, encore une fois, dans une mer agitée ou calme, l'important c'est tout simplement de trouver le bon véhicule. L'investissement immobilier est le plus sécuritaire, la valeur la plus refuge que tu pourras trouver. Bien sûr, encore une fois, ça commence par acheter un bien au bon prix. Il faut bien sûr apprendre à négocier le bien. Si tu achètes le bien trop cher, forcément tu vas te retrouver avec un investissement qui sera moins bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un investissement moins bon? Même si tu as un investissement qui passe d'une rentabilité à 10% à, je dis une bêtise, à 6%. 6%, c'est les 6% que tu gagnes, d'accord, sur la somme investie. Comprends le calcul que je vais te donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un crédit de 400 euros, les 6%, ça veut dire combien d'argent j'arrive à générer en plus. Sauf que cet argent-là, c'est pas le tien, donc ça, il faut bien le comprendre. C'est la banque qui te le prête. Et en plus de ces 6%, tu vas récupérer cette dette qui est payée par le locataire. C'est-à-dire que demain, potentiellement, tu aurais un crédit de 1000 euros par mois et tu mets des locataires dedans, même si tu ne gagnes pas de pognon. D'accord? En admettant que tu ne gagnes pas d'argent. Le crédit, lui, qui est payé tous les mois par le locataire, tu vas bien le récupérer à un moment donné à la revente. Donc, quoi qu'il arrive, tout cet argent-là que tu auras mis de côté te permettra également de sécuriser ta situation. Faut vraiment regarder les choses dans son ensemble. Et bien sûr, le marché de l'immobilier comprend bien que le crédit va être payé par le locataire, mais tu vas avoir aussi également, si tu détiens le bien, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 10 ans, ce prix de l'immobilier, à un moment donné, tu sais, il est monté, il va peut-être descendre un peu, il va se réguler et après il va remonter. Comme tout, puisque quoi qu'il arrive, c'est cyclique. Et le marché continuera toujours sa courbe vers le haut. Donc quoi qu'il arrive, l'immobilier va finir par se réguler et ce bien immobilier va recommencer à prendre de la valeur. C'est automatique. Donc en investissant dans l'immobilier, tu vas sécuriser ton avenir, sécuriser ta famille. Avoir plusieurs sources de revenus, ça permet vraiment de sécuriser, si tu veux, l'ensemble et te dire, voilà, aujourd'hui, ma chérie ou mon chéri, mes enfants, on est à l'abri, on a diversifié. On sait que maintenant, si jamais il arrive quelque chose, on est prêt. Et être prêt, c'est pas avoir 2 packs d'eau et 3 packs de pâtes au cas où demain il te coupe l'électricité. Être prêt, c'est avoir des véhicules d'enrichissement qui ne dépendent pas de ta présence et qui ne dépendent pas d'un patron ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un bien immobilier, un locataire dedans, il paye le loyer, point. Et tu t'enrichis tous les jours, même en dormant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc aujourd'hui, oui, il va peut-être y avoir, effectivement, une baisse des prix de l'immobilier. Oui, effectivement, actuellement, il y a une hausse des taux immobiliers. Et tant qu'ils n'auront pas de façon réglée cette croissance de l'inflation, effectivement, il est possible que ça continue. Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'il faut attendre encore la meilleure opportunité? Comme je t'explique, hein, c'est comme la bourse, comme la crypto. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont attendre que la crypto, elle descende tout en bas, à zéro, pour passer à l'action. Sauf que d'un seul coup, peut-être le marché peut faire ça. Et pendant que tu dors, le lendemain, il est déjà reparti en croissance et t'as raté ton opportunité. Donc moi, je pense qu'il faut investir intelligemment. Apprends à faire les choses bien. Apprends à étudier un marché. Apprends à trouver un secteur. Apprends à trouver un bien rentable. Apprends à le négocier. Apprends à mettre des locataires dedans. Mais fais-le. Fais-le le plus rapidement possible, puisque tu verras qu'une fois qu'on y a goûté, déjà, on s'arrête plus. Et tu verras qu'en plus, tu vas ressentir cette liberté, parce que tu vas te dire, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas qu'une seule source de revenus. Je commence à reprendre mon avenir en main, mes finances en main, et je sécurise mon avenir et celui de ma famille. Donc voilà en tout cas pour mon avis sur la crise actuelle. Bien sûr, il y a plein de choses à dire, des détails, mais c'est pas le débat du jour. De toute façon, j'ai pas envie de rentrer dans un tel débat, puisque pour moi, encore une fois, ce débat doit pas forcément avoir lieu, dans le sens où, quoi qu'il arrive, le but c'est de s'adapter au marché et toujours continuer à investir ton argent. Ça sera toujours mieux que ne rien faire. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu cliques dessus, tu me mets un pouce. Si jamais, bien sûr, tu veux du contenu gratuit pour apprendre à investir dans l'immobilier, tu regardes juste en dessous de cette vidéo, tu vas trouver un lien pour pouvoir investir toi aussi. Et bien sûr, si jamais tu veux mettre un commentaire, avec grand plaisir. Ciao, bye.